Oui. Est-ce qu'on entend? Oui. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, où c'est comme toi par l'esprit. Seigneur, avec toi, nous irons au désert, où c'est comme toi par l'esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre et de nous aider à en prendre les moyens.
changer notre manière de vivre, changer notre regard sur la création entière. Nous le demandons de nous pardonner toutes nos offenses contre lui, contre nos frères et sœurs et contre la création tout entière. Tout à l'heure, je le proposerai à ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'avoir les cendres, pour s'avancer, pour recevoir les cendres sous la tête en s'inclinant légèrement et en silence. Je vais donc dire la formule, convertissez les croyants à l'évangile pendant qu'on chante le prier, vous avancez, ce qui est ici, nous recevons les cendres. Ensemble, nous demandons pardon au Seigneur. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Thank you.
Rassemblons notre intention de prière pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs malades, et tous ceux qui se confient à nos prières. Nous les rassemblons dans cette prière commune. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Et qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur aux humbles, ce chemin.
Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, puis le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair et vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, je dis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, car Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvés à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu, une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Intensifiant notre vie spirituelle par la prière, par la pénitence vécue dans le pardon et aussi par le partage fraternel. Et ce premier dimanche de carême, notre attention est tout de suite captée par la promesse d'alliance de Dieu avec la création tout entière. À travers ces paroles jadis adressées à Noé et à ses fils, voici que moi, j'établis mon alliance avec vous.
avec votre descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. On peut remarquer que ce n'est pas seulement l'homme pris à part qui est objet de l'alliance avec Dieu, mais toute la création. Oui, Dieu aime sa création et il s'est réjoui de l'avoir faite. Et Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et Dieu constata que c'était très bon, nous dit la Genèse. Vous le voyez, nous formons bien avec tous les êtres créés une communauté d'alliance, une communauté de salut. Apprenons donc à aimer la création. Sur notre chemin de carême, c'est le premier pas que le CCRD, tel solidaire, avec notre pape François, nous invite à faire, à la suite de Jésus au désert, présent au cœur de toute la création, entre bêtes sauvages et anges de Dieu. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre nous rappelle comment Dieu fait alliance avec nous. C'est grâce à Jésus-Christ, crucifié dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Et c'est dans l'esprit que Jésus annonce et offre le salut. Et le signe de ce salut qu'il nous donne, c'est le baptême, dont l'arche de Noé sauvée des eaux était la préfiguration. Aujourd'hui, Jésus nous invite avec sollicitude à accueillir ce don de Dieu. Les temps sont accomplis, dit-il. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Il s'agit donc de nous convertir en vue du royaume de Dieu, d'entrer dans une alliance, dans l'alliance nouvelle, celui en Jésus-Christ, celle de l'amour de Dieu vécu dans l'Esprit Saint. Car Jésus nous dit, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de croire, mais d'aimer. Un adage français dit avec justesse que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, comme on devient cuisinier en cuisinant, comme l'on devient combattant en combattant. Mais devient-on croyant en croyant tout simplement? Pas vraiment. On devient croyant en aimant fidèlement Dieu, en aimant le prochain. Autrement, même Satan serait un vrai croyant. Il sait que Dieu existe. Il affirme que Jésus-Christ est le Saint de Dieu, le Messie. Mais il n'aime pas Dieu et il travaille contre Jésus. Il travaille contre sa mission dans le monde et le salut qu'il met en œuvre dans le cœur et dans la vie. Il sait que Dieu existe. Mais il travaille pour que nous puissions nous passer de Dieu. Il cherche à nous convaincre que nous pouvons nous passer de Dieu, nous passer de l'aimer et même devenir son égal. Dès après son baptême, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint où il demeura 40 jours, tenté par Satan. Et oui, Satan, c'est une personne qu'il ne faut pas ignorer. Vous l'aurez peut-être constaté, je me permets d'ouvrir une parenthèse. Quand vous saisissez le mot Satan à l'ordinateur avec un S minuscule, il est automatiquement souligné en rouge. Pour nous dire que c'est une faute. Pour nous dire aussi que Satan, eh bien, c'est un nom propre de personne. Par contre, quand vous saisissez Jésus avec un G minuscule, il n'est pas souligné en rouge. Est-ce pour dire que Jésus, c'est pas un nom propre de personne? J'espère que ce n'est pas toujours comme ça. Mais vous remarquez que Satan ne manque pas l'occasion de ravir la vedette à Jésus. Et c'est depuis les origines. Sa tentation fondamentale est celle de l'orgueil.
il entreprend, il essaie toujours, en espérant y arriver. À l'égard de Jésus et de tout disciple de Jésus, de nous faire croire qu'il est le maître de tout, qu'il peut tout. Saint Matthieu et Saint Luc, dans leur évangile, le montrent explicitement dans leur récit de la tentation de Jésus. L'évangéliste Marc, quant à lui, se fait discret sur le détail de cette tentation. N'est-ce pas pour nous indiquer autre chose? Suivons l'intuition spirituelle de Marc, qui nous invite par ce choix à retrouver Dieu dans nos déserts à nous, à bien identifier nos tentations personnelles et à nous fixer sur nos combats spirituels actuels. À l'exemple du Christ, notre Maître, chacun de nous a ses moments de désert, ses tentations et ses combats à mener. Nous savons que la conversion est avant tout personnelle. Personne ne gagnera le combat à la place d'un autre, même si la conversion a un aspect communautaire, une dimension communautaire. Chacun a son combat à mener. Mais c'est un combat semblable à celui de David contre Goliath. Il n'est pas vraiment de l'autre. Il est celui de Dieu. Et nous pourrons vaincre notre adversaire qu'en comptant sur Dieu, sur la force de son esprit. Cet esprit nous est donné comme grâce dès notre baptême. Car dès notre baptême, nous entrons dans le combat de Dieu. À l'exemple de Christ lui-même, poussé par l'esprit au désert après son baptême. En quel désert serons-nous conduits durant ces 40 jours? Et par quoi serons-nous tentés? Comment? Quelle doit être le nôtre? Si le désert évoque vie et absence de vie, austérité, inquiétude, tentation et lutte, il signifie aussi lieu de ressourcement et de fortification, confiance en Dieu et providence divine manifestée ici par la présence des anges. C'est un moment de déconnexion avec le monde matériel et de connexion au monde spirituel. Un temps d'interconnexion avec Dieu et avec les autres. Interconnexion par la prière, par la pénitence et par le partage. Déconnexion, reconnexion et interconnexion. Nous sommes invités à vivre cela durant ce temps de carême. Cet espace de 40 jours s'offre à nous pour nous permettre une plus grande intimité avec Dieu, comme un moment de grand réconfort en Dieu, un temps d'entraînement aussi au bien et de lutte victorieuse contre le mal. Réveillons alors le don de l'Esprit reçu à notre baptême et avec la force qu'il nous donne, entrons dans l'alliance de Dieu, dans la foi, l'espérance et la charité. Amen. Et descendu aux enfers, et le troisième jour ressuscité de mort, et monté aux cieux, et ta sœur.
croix en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités pascales, nous prions le Seigneur de façon plus pressante pour notre monde, pour chacun de nous, pour frères et sœurs valables, afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons.
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance
la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette que nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. C'est toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
Grâce au temps de carême, nous sommes invités à vivre un temps d'interconnexion intense avec Dieu, avec les frères et sœurs, par la prière, par la pénitence, par le partage. Et dans ce sens, nous voudrions écouter un témoignage. Témoignage, il sera plutôt la semaine prochaine. Mais voilà, bonjour. Vous avez peut-être remarqué que les murs de notre église séparés de belles photos faisant venir parmi nous nos frères chrétiens d'Orient. Cette exposition sera là aussi la semaine prochaine et puis ira à Montluel et enfin à Meximieux. Alors, c'est la situation des chrétiens d'Irak, notamment, qui ont conduit à cette manifestation avec l'œuvre d'Orient, puisque, d'une part, c'est le pays qu'a choisi Camille Erard, jeune paroissienne que certains connaissent bien, et fille de Corinne et Claude, qui sont parmi nous aujourd'hui. Camille, donc, a choisi l'Irak pour partir en mission humanitaire. Elle y est depuis 3 ans. Et d'autre part, le pape François ira prochainement visiter ce pays ravagé par la guerre et la persécution, début mars. Aussi, nous pourrons bénéficier samedi et dimanche prochain du témoignage de Camille ainsi que de jeunes Irakiennes réfugiées en France et d'un Irakien qui a fait le choix de retourner au pays. Et nous partagerons donc l'espoir qui est le leur. Je me tiens à votre disposition avec un stand à la sortie de l'église, avec des objets en vente au profit de l'œuvre d'Orient. Il y a aussi un livre de Mgr Gollnisch, qui est l'évêque des catholiques orientaux en France. Voilà, et maintenant nous allons voir une vidéo de présentation de tout cela. Merci. Montrer que la vie est plus forte que la mort, c'est le témoignage de Sœur Samia et des Sœurs des 5 Heures de Jésus et Marie à Homs en Syrie. Chaque jour, malgré la guerre, elles accueillent et accompagnent des enfants handicapés. Comme ici en Syrie, l'œuvre d'Orient soutient près de 400 communautés, issues de 60 congrégations religieuses dans tout le Moyen-Orient, leur donnant les moyens de poursuivre leur mission auprès des plus démunis. Le christianisme est né en Orient et s'est diffusé grâce aux apôtres et à leurs disciples. Partis de Jérusalem, ils ont évangélisé la région et ont donné naissance à de nombreuses églises locales. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas seulement les latins, ils sont aussi coptes, chaldéens, melkites, maronites, syriaques, arméniens, gréco-catholiques, malabars, malankars, éthiopiens. Ce sont eux que l'on appelle communément les chrétiens d'Orient. Ils sont les premiers chrétiens de l'Église. Descendants directs de ses premiers disciples, les chrétiens orientaux sont aujourd'hui dans une situation précaire. Devenus des minorités dans leur pays, ils sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone et régulièrement victimes de discrimination. Dans certaines régions, ils sont même persécutés. Depuis plus de 160 ans, l'œuvre d'Orient vient en aide à ces chrétiens orientaux en s'appuyant sur les évêques, les prêtres, les communautés religieuses dans plus de 23 pays où ils sont présents. Initialement appelée l'œuvre des écoles d'Orient, l'association avait pour principale mission de soutenir les écoles francophones du Moyen-Orient. Fidèle à l'inspiration de ses fondateurs regroupés autour du baron Cauchy, l'éducation reste encore une part importante de son action. L'œuvre d'Orient agit sur le terrain autour de 4 grands défis: l'éducation, les soins et l'aide sociale, l'action auprès des communautés
et la culture et le patrimoine. Son expertise et sa connaissance fine du terrain font de l'œuvre d'Orient un des principaux acteurs de la sauvegarde du patrimoine des chrétiens en Orient et de la défense de la francophonie à travers les écoles. Actuellement, 1250 projets sont en cours au Moyen-Orient, mais aussi en Inde, en Éthiopie, en Ukraine, en Roumanie. Des chantiers de reconstruction à l'achat de matériel médical, ces projets ont en commun d'être au service de tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur appartenance religieuse ou sociale. L'association intervient dans la durée, aussi bien en temps de paix qu'en cas d'urgence humanitaire, comme c'est le cas notamment en Irak et en Syrie ces dernières années. Et nous avons compris, je crois, depuis quelques années, que ce qui se passe au sud et à l'est de la Méditerranée concerne aussi l'Europe au premier chef. L'enjeu, ce n'est pas simplement la survie d'une minorité, c'est la paix dans la région, c'est-à-dire aussi dans notre région. Soutenir les chrétiens d'Orient, c'est aussi leur permettre de rester sur leur terre, où leur présence et leur engagement dans la société civile constituent un gage de paix dans des contextes de grande mixité religieuse, politique et sociale. Certaines familles réfugiées ne peuvent encore envisager de revenir chez elles. Une équipe dédiée les accompagne en France dans leur insertion sociale à travers notamment des cours de français. L'association compte une trentaine de salariés et elle envoie chaque année des dizaines de volontaires en mission de 6 mois à 2 ans. Ils sont enseignants, infirmiers, étudiants en commerce ou encore ingénieurs. Ces jeunes viennent servir aux côtés des chrétiens d'Orient et vivre une expérience humaine et spirituelle dont ils témoignent à leur retour. L'aide apportée n'est possible que grâce aux dons et à la fidélité de plus de 70 000 donateurs, ainsi qu'au dévouement d'une centaine de bénévoles mobilisés dans toute la France pour faire connaître les chrétiens d'Orient et organiser des expositions, des conférences, des temps de rencontres et de prières. Rejoignez l'œuvre d'Orient et soutenez son action auprès des chrétiens d'Orient. Moi, parfois, avec ces races, c'est aussi une lutte, quoi. Et nous évoquons à présent une autre dimension de la solidarité chrétienne, la solidarité chrétienne à l'égard de tout homme, à l'égard des membres d'autres religions, notamment les musulmans qui vivent avec nous. Les accusations mensongères et diffamatoires ont été proférées à l'encontre des musulmans de la mosquée Essalah d'Amérieux. Le député de la circonscription a été accusé par un membre du bureau national d'un parti politique de soutenir une mosquée salafiste et radicalisée. Le maire d'Amérieux et le parlementaire, choqués par ces affirmations contraires à ce qui se dit dans le dialogue interreligieux et ailleurs, en termes d'échange et d'ouverture à la vie de la cité, ont apporté leur entier soutien aux responsables de la mosquée et à travers eux aux musulmans qui la fréquentent. Rappelons que des initiatives entre nos deux communautés ont vu le jour. Rédaction d'un document suite aux événements tragiques de janvier 2015, collecte pour la banque alimentaire, invitation au repas de la paroisse et de la mosquée, venue de l'Atifa Ibn Ziyatel, visite des crèches, organisation des vacances apprenantes et du tutorat à distance avec la présence fraternelle. Aussi, la communauté catholique d'Amérieux souhaite apporter son soutien aux musulmans attristés par cette nouvelle polémique, comme eux l'ont fait par leur présence aux abords de l'église les 1er et 2 novembre dernier. Ainsi, en sortant de cette église, vous trouverez quelqu'un qui se tiendra avec des voix écrites, mettre un petit mot
en guise de soutien et de solidarité avec nos frères musulmans. Merci. Nous levons pour présenter ensemble tous ceux qui nous habitent, toute cette préoccupation dans le monde en crise, tous ces besoins de compassion, de confort, de solidarité à Dieu notre Père par l'intercession de Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Bon dimanche, bon carême.